Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qui marque le grand retour de la chaîne Locan Classics parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie de vous partager du contenu qui n'a rien à faire sur la chaîne principale qui va être dédié, qui est dédié déjà à la partie tech, Apple, etc. Et là, on fait une rando. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, 9 février, et on fait une rando, on monte au Mont Fourca en raquette. Et c'est la première sortie à raquette. Pour ces petites choses là qui sont toutes neuves, fraîchement emballées, toutes neuves non puisque je les ai commandées en juillet, mais que je n'ai jamais utilisées. À chaque fois que je pars en randonnée, soit je les amène pas, soit il n'y a pas de neige. Et aujourd'hui, donc première tentative avec ça, le ciel est plutôt cool. On monte au Mont Fourca et normalement, si ça reste comme ça, c'est 11h, hein, donc c'est un peu tard pour partir. Si ça reste comme ça, en haut, on aura une vue beaucoup trop stylée. Bon, c'est clairement pas un exercice avec lequel je suis familier, surtout que j'ai un petit souci sur une raquette, première fois encore une fois que je les utilise. Le chausson de celle de gauche ne se règle pas en profondeur, enfin, se bloque en situation vas-y, tu peux régler comme tu veux. Donc, du coup, j'ai le pied qui recule un petit peu. C'est très particulier. C'est la deuxième fois que je fais des raquettes. C'est la première fois que j'en fais avec des vraies raquettes. Et c'est excessivement agréable. Mais là, en fait, c'est une piste. Donc, en réalité, je marcherais sans raquette. Ça marcherait également très, très bien. Je suis très curieux de voir, moi, ce que je vois à l'écran. La qualité est assez top. Si c'est un truc qui fonctionne, que ça fonctionne ou pas, en fait, c'est juste que le rendu soit cool et que la vidéo soit sympa, c'est tout ce qui m'intéresse, qu'il y ait des vues après dessus, je m'en fous. L'idée de mettre ça sur la chaîne Locan Classics, ça me permet de garder une thématique sur la chaîne principale avec de la tech, de la productivité grâce aux outils, etc. Et d'avoir un support qui est la chaîne secondaire pour tout le reste et de centraliser tout ça sur locan.jp, sur le flux Mastodon, sur Instagram, etc. Mais d'avoir tout à un seul et unique endroit sur locan.jp. tout en gardant l'algorithme de YouTube propre pour la chaîne principale. Ça, c'est cool, parce qu'en fait, je suis un mec qui aime bien partager plein de choses avec vous. Le slogan du site, c'est le plaisir de partager. Et ça, en fait, ce magnifique temps et ces activités, ça fait partie des trucs que j'ai envie de partager avec vous. Comme d'habitude, l'itinéraire est dans Workout Doors, qu'on voit mal ici, avec la carte et le petit GPX. Et le paysage n'est pas trop dégueu. Et alors, pour info, quand tu marches en raquette et que tu te dis bah, « les raquettes, est-ce que ça sert à quelque chose ?» Je viens d'enlever les raquettes. Et ça, c'est mon pied, juste après avoir enlevé la raquette qui descend donc effectivement très très bas. Puisque là, l'idée, c'est de se poser pour manger gentiment. Parce qu'en fait, on n'aura pas assez de temps pour faire le Mont Fourca. Mais genre, vraiment pas assez de temps. Quand je regarde la topo sur la montre, on a fait peut-être 10% en une heure. De la... Allez, 20% si je suis ultra généreux. Il faudra encore 3 heures bien tassées pour arriver au sommet. C'est midi 30, on est parti tard. 3 heures bien tassées pour arriver au sommet. 15h30, encore 2 heures, voire 3 heures pour redescendre. Et c'est pas safe, juste de faire ça de manière totalement inconnue. Moi, c'est la première fois sur des raquettes. Donc, on va se poser pour manger, gentiment. Et on va ensuite aller se balader dans la station de ski avec nos raquettes ou juste aller boire des bières puisque, je le rappelle, c'est mon anniversaire. Et donc là, l'étape d'après, c'est la merde. C'est la sortie de la couverture de survie qui sert uniquement à faire dodo. Enfin, à faire dodo, à se poser une fois qu'on est en haut des radonnées. Dans la cachette surprise du backpack 00 de AC Project avec lequel vous pouvez partir en randonnée et à l'aventure sans aucun problème, sac à dos garanti à vie, totalement étanche, pas submersible mais très résistant. Je vous ai fait une review dessus, je vous mets le lien dans la description, je vous mets une petite carte ici et vous avez 15% dessus avec le code LOCAN15, moi je perçois rien du tout, j'ai demandé à AC de filer 100% de ce qu'il pouvait filer à vous en fait. Donc LOCAN15, vous avez 15% de remise et voilà, et je pense vraiment que c'est un très très bon sac, c'est mon gros coup de cœur de la fin d'année 2022. Et double timing plutôt pas mal déjà parce que comme je vous disais on n'aura pas le temps d'arriver en haut mais surtout le temps se couvre et le temps change super vite en montagne donc je suis très content qu'on se soit arrêté là à 2 km pour pouvoir faire un demi-tour sympathique plutôt que d'être genre 2 km plus haut tout simplement et d'être obligé de continuer la boucle parce que ça prendra moins de temps donc ça reste vraiment
le bon calcul. Et voilà la fin de cette vidéo très rapide. C'était juste dans l'idée de faire un test, de repartager une vidéo sur Locan Classics, de voir moi comment je le ressentais, de voir ce qui va se passer après. C'est-à-dire d'écrire l'article, est-ce que ça va me faire chier ou pas? Publier la vidéo, est-ce que ça me semble chelou ou pas? Vous, regardez la vidéo, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est chelou ou pas? Et en réalité, ben, la chaîne principale, c'est tout ce qui est Apple Tech Productivité. Et tout ce qui peut faire baisser l'algorithme de la chaîne principale partira sur la chaîne secondaire, je pense. Donc à voir, est-ce que pour vous c'est délirant? Est-ce que déjà vous êtes plus de deux à voir cette vidéo ou pas? Encore une fois, c'était un test, purement et simplement. Et je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur la chaîne principale évidemment, suivre le site sur locan.jp, me suivre sur Instagram ou sur Mastodon. Mastodon que j'adore réellement beaucoup avec le pseudo @locan. Je vous fais des zoubis, à très vite. Ciao, ciao. Et je viens juste de terminer le montage de cette vidéo. Le truc que je trouve très cocasse, c'est que ça fait pile un an, presque jour pour jour, que la dernière vidéo a été publiée. Voilà, c'était juste pour vous dire ça.